encore une petite démonstration du portefeuille magique, hein, ça a encore donné. C'est toujours Maître Marabout, je me dis ça, depuis le Bénin, comme vous le connaissez toujours, hein, c'est toujours moi. C'est la faute des génies. Nous, on n'a pas abandonné nos coutures. La couture vaudou, on n'a pas abandonné. On est toujours avec les génies, on est toujours avec les vaudous. Nous sommes au Bénin, nous sommes tous des Africains, donc on doit toujours respecter les conditions, les choses de nos ancêtres. Voilà, c'est la force des génies. C'est tout ce qui donne toujours de l'argent, c'est ça. Si tu veux avoir de l'argent, il faut t'approcher, il faut toujours avoir un portefeuille magique. Et c'est la force des génies. Tu vas toujours récupérer, tu vas toujours prendre l'argent des banques. C'est toujours comme ça. Mon numéro, c'est +229 66 32 48 24. Voilà, ne gaspille plus votre argent ailleurs. Il y a beaucoup de personnes qui réussissent. Ils vous regardent ce statut, vous voyez tout. Ils ont acheté des maisons, des voitures, par-ci, par-là. C'est rien d'autre, hein. C'est toujours ça là, hein. C'est toujours le portefeuille magique. C'est ça, si toi tu veux avoir des maisons comme eux, tu veux rester comme eux, faut tenter ta chance et tu vas voir la réalité, la vérité. Il faut juger, faut bien regarder la personne avant de juger la personne. Il faut être sûr de la personne avant de juger la personne. C'est comme ça, c'est la réalité, toujours la réalité, toujours la vérité. On ne s'amuse pas avec le travail. Vous me connaissez quand même, certains me connaissent quand même. Ceux qui ont déjà le portefeuille magique me connaissent déjà. C'est toujours Maître Marabout, je me dis ça, depuis le Bénin. Oui, c'est toujours moi. Si tu veux avoir un portefeuille magique qui va te produire de l'argent, c'est toujours moi. C'est toujours moi. C'est toujours moi. Ça peut avoir ailleurs, mais ici, chez moi, au couvent, c'est toujours moi. J'ai des employés, je dis, travaille avec moi. Et celui qui n'a pas de génie ne peut jamais vous rendre riche. Il faut avoir des génies d'abord avant de rendre quelqu'un riche. Et ce n'est pas des génies. Si on voit quelqu'un là, on va dire que c'est un génie qui fait chose là. Hein. C'est toujours le génie. Voilà, nous sommes au couvent. On voit. D'accord. Non, c'est un peu ça. Bon, je dis bonne soirée à vous.